الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous présente un extrait de ma vidéo Juste la vérité ICR 13 où le diable atteste que Jésus est juste le prophète de Dieu. Par mon interprétation de selon Matthieu chapitre 4 verset 1 à 10 et selon Luc chapitre 4 verset 1 à 13 qui montre que Jésus alayhi wa salam n'est pas le créateur de toutes choses, n'est pas Dieu, pas même le Saint-Esprit et pas même le Fils. On dit que Jésus alayhi wa salam est le Saint-Esprit et certains l'expliquent à travers la Trinité qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit et que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit et Dieu. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Donc si le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est aussi le Saint-Esprit et fait qu'il est Dieu, si je devrais vous comprendre. Certains me disent, car les chrétiens sont partagés, que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Saint-Esprit. Donc on va voir avec la Bible si Jésus, alayhi wa salam, est le Saint-Esprit, ou si il y a Jésus, et puis le Saint-Esprit. Dans selon Luc chapitre 4 verset 1, il est dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Déjà, s'il est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il a reçu. Et si Jésus, alayhi wa salam, est le Saint-Esprit, il n'aurait pas eu besoin de le recevoir, puisqu'il est lui-même le Saint-Esprit. Et il n'aurait pas eu besoin d'être conduit par l'Esprit s'il est aussi lui-même l'Esprit. Il se serait conduit tout seul. Donc Jésus étant le Saint-Esprit, appelons-le le Saint-Esprit. Cela ferait le Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ou remplaçons le Saint-Esprit par Jésus, si le Saint-Esprit est Jésus, on pourrait dire Jésus, rempli de Jésus, revint du Jourdain et il fut conduit par Jésus dans le désert. Et pire encore, si Jésus est Dieu et le Saint-Esprit étant Dieu aussi, accrochez-vous, Dieu, rempli de Dieu, revint du Jourdain et il fut conduit par Dieu dans le désert où en plus, il fut tenté par qui ? Le diable. La hawla wa la quwata illa billah. Dieu tenté par le diable. Vous pouvez accepter cela, hein? Si Jésus est Dieu, il aurait été tenté par Satan. Prenons la Trinité, puisque les trois font qu'il n'y a pas trois dieux, mais un Dieu. Alors disons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, rempli du Père, du Fils et du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté. Par qui ? Le diable. Maintenant, faisons-le avec selon Matthieu chapitre 4 verset 1. Donc si Jésus alayhi wa salam est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, appelons Jésus Dieu et le Saint-Esprit Dieu, cela fait. Alors Dieu fut amené par Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Aussi pour Jésus, alayhi wa salam, s'il est le Saint-Esprit, donc appelons le Saint-Esprit Jésus, cela fait. Alors Jésus fut amené par Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Ou alors, Jésus étant le Saint-Esprit, cela fait, alors le Saint-Esprit fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Puis, le Saint-Esprit étant le Fils et Jésus étant le Fils fut amené par le Fils dans le désert où le Fils fut amené par Jésus dans le désert, ou le contraire, Jésus fut amené par le Fils dans le désert. Je finis avec la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit fut amené par le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le désert. Cela montre que Jésus, alayhi wa salam, n'est pas Dieu,
ni le Saint-Esprit, pas même le Fils, car le Fils devrait être comme le Père et n'aurait pas besoin de recevoir le Saint-Esprit, s'il est lui-même Saint-Esprit et n'aurait pas besoin d'être guidé ou avoir l'utilité du Saint-Esprit pour faire ce qu'il doit faire. Il devrait faire tout de lui-même. Et ce n'est pas ce que dit la Bible. Dans Jean chapitre 8, versets 26 à 29, Jésus dit « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je termine par un verset du Coran, sourate 4, versets 171 à 172. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aux gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites qu'à Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Résultat, Jésus, alayhi wa salam, est juste un prophète. Il est l'envoyé de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka lahuma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.